Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée avec moi en confinement. Parce que celui que j'avais fait il y a 2 semaines je crois, il vous a énormément plu. Du coup je me suis dit qu'on allait en refaire un autre parce que c'est assez sympa vu que ça fait un mois maintenant presque qu'on est en confinement. Et le premier que j'avais fait ça faisait tout juste une semaine. Donc les choses évoluent un peu, j'ai de nouvelles activités etc. Enfin je trouve de nouveaux trucs pour m'occuper. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer ma journée d'aujourd'hui. Surtout que c'est un assez grand jour parce que c'est aujourd'hui qu'ouvre officiellement la boutique en ligne de ma marque Celiana. Du coup j'avais envie de vous montrer ça et de vous emmener avec moi dans cette journée pour vous montrer le lancement, l'ouverture, comment je prépare les commandes s'il y en a j'espère. Du coup ben voilà c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vais vous emmener avec moi toute la journée pour vous montrer ce que je fais. Maintenant je vais commencer par faire mon lit, ensuite je vais me changer et après ben on va commencer la journée tout simplement. Donc c'est parti. Alors j'ai fini de me préparer, du coup maintenant on va commencer ma journée. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, une journée avec moi en confinement, ce que j'aime bien faire c'est marquer tout ce que j'ai à faire dans mon petit agenda pour que mes journées soient assez productives et que je fasse vraiment tout ce que j'ai à faire. Alors là c'est moins chargé parce que j'ai plus cours depuis le 3 avril, donc du 3 avril jusqu'au 26 avril c'était ce qui était censé être mes vacances de Pâques. Du coup ben, ça dure depuis plus longtemps mais enfin voilà, donc là on n'a plus cours. On reprendra après le 26 avril toujours par visioconférence. Et du coup là il faut que je travaille sur mes projets de fin de semestre. Donc là j'ai déjà eu un examen et j'ai eu 74/100, donc je suis super contente. Et il me reste encore d'autres projets de fin de semestre sur lesquels je dois travailler. Du coup là cette semaine je me suis vraiment consacrée à ma marque et le site etc, vu qu'il y a l'ouverture aujourd'hui. D'ailleurs c'est à 13h, j'ai oublié de vous préciser. Et après je pourrais travailler sur mes projets de fin de semestre, j'aurai plus grand chose à faire. Et du coup ben voilà, donc là je vais commencer par aller sur le site internet. Il est pas encore publié, il sera publié à 13h, donc je vais régler les quelques petits détails. J'ai fini à 1h hier soir pour régler tout ce qu'il y avait à régler parce que je suis hyper perfectionniste et du coup je veux que ce soit parfait. Et ensuite je vais aussi préparer les publications Instagram que je vais mettre sur l'Insta de la boutique et sur le mien. D'ailleurs sur le mien j'ai prévu un concours pour faire gagner la petite pochette, donc à l'occasion de l'ouverture de la boutique en ligne. Je sais pas si le concours sera toujours disponible quand vous verrez cette vidéo. Alors je vais vous montrer le site. Donc là il est 11h40, du coup il reste 1h20 avant la mise en ligne pour vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est la page d'accueil. Quand on descend il y a les petits produits. Ensuite, il y a un petit onglet à propos avec un petit truc qui parle un petit peu de la création de la marque, comment j'ai eu cette idée, etc. Après là, il y a le compte Insta. D'ailleurs, il faut que je le reconnecte parce que ça, c'est des photos d'exemples qui sont mis aléatoirement. Enfin bref, il faut que je règle ce problème. Ensuite, là, on arrive en bas du site. Et après, il y a toutes les différentes pages ici. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil. Donc au moment où vous verrez la vidéo, bien entendu, il sera en ligne. Je vais faire un petit tour sur le site pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits problèmes ou de petits détails qui manquent. Et ben, c'est tout. Bon voilà, pour le site ça devrait être bon, j'ai essayé de tout vérifier et il me semble que tout est ok, j'espère que ça va l'être. Maintenant je vais m'occuper des publications Instagram, donc je vais vous montrer. J'ai pris cette photo de la pochette justement pour mettre en ligne le concours sur mon compte MyBrunette. La photo a été éditée, il me reste plus qu'à la mettre en brouillon Instagram avec la légende. J'ai commencé hier mais il faut que je finisse. Donc voilà pour cette photo, tout est prêt. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre 13 heures pour la mettre en ligne. Et maintenant je vais m'occuper de celle pour le compte Insta de la boutique. Celle-là elle n'est pas encore prête.
suite. Donc j'ai prévu de mettre celle-là que j'avais prise à Londres pendant le shooting de la marque. D'ailleurs j'avais fait un vlog, je vous mettrai ici si vous avez envie de le voir. Donc il faut que je l'édite et qu'ensuite je la prépare, enfin que je mette le brouillon sur Instagram pour attendre de la poster. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Il est midi, donc il reste plus qu'une heure avant la mise en ligne du site. J'ai trop hâte et ça me stresse en même temps. Donc je vous garde avec moi pour vous montrer tout ça en direct. Et voilà. Coucou. Harry est venu vous dire bonjour. Donc là nous avons Louis qui vient de ramener un lézard. Attendez, je zoome sans m'approcher parce que ça me dégoûte, il bouge. Non non, Minou s'il te plaît, ne fais pas ça. Je déteste. Oh ce pauvre lézard, il a la queue coupée. Je vous épargne la scène des meurtres. Alors là il est 12h59, donc je m'apprête à publier le site. Donc j'ai qu'à cliquer sur ce bouton. Et voilà, c'est publié, donc là normalement on va pouvoir y accéder. Donc maintenant que le site est publié, je vais mettre les photos sur Instagram, le lien dans la bio Insta pour que les gens puissent y accéder. Et voilà, il est bien disponible. C'est la première fois que je le vois sur mon téléphone parce que du coup, comme je vous montrais tout à l'heure, je travaillais sur ordinateur et je pouvais pas y accéder de mon téléphone. Donc là voilà. Ah et je suis en train de recevoir les notifications parce que j'ai l'application sur le téléphone pour voir qui accède le site etc. Donc là j'ai déjà reçu 3 notifications de personnes, ils m'ont mis nouveaux visiteurs. Alors là je vais publier les photos sur Instagram. Et voilà, déjà une première qui est en ligne. Maintenant je vais mettre le concours sur mon compte MyBrunette. C'est en ligne aussi. Et maintenant, on va voir sur le site si j'ai reçu des trucs. Donc déjà ici, je vois tous les visiteurs. Donc il y a marqué nouveaux visiteurs sur la page. Donc actuellement, il y a 5 visiteurs sur le site. Il faut aussi que je poste par rapport à ma vidéo YouTube qui a été mise en ligne. Donc vous savez, comme je mets à chaque fois en story nouvelle vidéo en ligne etc, chaque fois je mets cette petite story. Donc là c'est une vidéo où j'ai reproduit des photos de mon enfance, donc c'est assez drôle. Ça c'est fait. Je viens de recevoir la notification que la première commande a été faite, donc je suis super contente. Après tous ces mois de travail, c'est enfin en ligne et vous pouvez enfin découvrir les produits et les acheter. Et du coup c'est super satisfaisant parce que ça fait très longtemps que je travaille là-dessus et j'attendais ce moment avec impatience, donc je suis trop contente. Alors il y a quelques heures qui sont passées, maintenant il est 3h il me semble. J'étais occupée parce que j'ai dû régler un petit souci technique qui est arrivé. En fait il n'y a que le paiement par PayPal qui fonctionnait, le paiement par carte ne marchait pas. Mais bon bref, j'ai réussi à régler le problème. Du coup maintenant il est disponible. C'est le genre de petit souci technique qui arrive pendant ces moments là et qui fait trop stresser. Donc entre temps j'ai reçu pas mal de commandes, donc merci beaucoup à toutes celles qui ont commandé, je suis super contente. Donc je vais commencer à faire les colis pour vous montrer comment je fais ça. Et du coup voilà. Alors du coup j'ai mes enveloppes d'envoi ici, les produits là et les petites cartes de remerciement ici que je glisse aussi dans la commande. Donc je vais commencer tout de suite. Du coup la première commande c'était une petite pochette, donc j'ai la pochette là, la petite feuille de remerciement. Je vous avoue que je débute, c'est la première fois que je prépare ce genre de commande. J'ai déjà préparé des colis pour Vinted lorsque je vends mes vêtements, mais là c'est tout nouveau, donc il faut que je trouve une habitude, comme ça après je ferai tout le temps exactement pareil. Mais là vu que c'est la première, voilà. Alors du coup là j'ai déjà préparé 4 commandes, il m'en reste encore quelques-unes, donc j'ai trouvé comment faire. J'en reçois d'autres au fur et à mesure, du coup je suis super contente, je voulais vraiment vous remercier parce que ça me fait énormément plaisir. Bon maintenant je vais aller manger un petit truc parce qu'avec tout ça j'ai pas mangé à midi et il est 4h et je commence à avoir un petit peu faim, donc je vais voir ce que je vais me faire. Ah oui aussi je vous ai pas dit, dans l'autre vidéo une journée avec moi en confinement, je vous avais dit que je
voulais commencer à faire une routine de sport. Donc j'ai enfin trouvé. Il y a la youtubeuse Blogilate que j'adore qui a lancé début avril le calendrier d'avril. Je vous en ai parlé sur Instagram. Là il est pas très joli parce qu'il est pas en couleur, mais du coup chaque jour c'est une partie du corps différente. Par exemple le dimanche c'est les abdos, ensuite le lundi c'est tout le corps, le mardi c'est les fesses, ensuite mercredi cardio, enfin bref, voilà, etc. Et du coup ça me permet de faire une routine de sport de 45 minutes tous les jours, et depuis que je fais ça je me sens beaucoup mieux, surtout moi avec la scoliose. C'est très important que je garde une activité physique, que je fasse des étirements, etc. parce que pour le dos c'est, enfin, c'est important que ce soit musclé. Donc je vais vous montrer ça au moment où je la ferai. En général je la fais tous les soirs vers 18h, enfin 17h30, 18h, ça dépend. Et du coup ben voilà. J'ai trouvé des pois chiches avec un petit assaisonnement dans le frigo. Et j'aime bien ça, donc voilà ce que je vais manger. C'est pas trop un truc à manger pour le goûter, mais bon, j'ai faim. Je sais pas vous, mais moi j'adore sentir la chaleur du soleil. Là ça fait quelques jours qu'il fait super beau et plutôt chaud. Et ces derniers jours je m'étais mise à bronzer. Bon là j'ai pas pu aujourd'hui parce que du coup j'ai été occupée. Je peux vous dire qu'en ayant passé un hiver entier à Londres, j'étais très très pâle. Donc là ça fait du bien d'apprendre un petit peu de couleur. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je me suis avancée dans les commandes parce que j'en ai reçu encore d'autres entre temps. Maintenant il est 18h, donc je vais faire ma séance de sport. Du coup pour vous montrer, donc j'ai pris le calendrier sur le site internet de Blogilate. Et ce qui est bien c'est que c'est sous format PDF, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le petit truc là. Et vous atterrissez sur la vidéo YouTube qui correspond. Donc aujourd'hui mercredi c'est la séance de cardio de la semaine. Donc il y a 4 vidéos, en tout ça fera 45 minutes d'exercice, et du coup ben, j'ai qu'à cliquer comme ça par exemple et ça va m'emmener sur la vidéo. Si ça veut bien marcher, mon wifi est vraiment nul ici. Je suis habituée à mon wifi de Londres qui marche super bien et là c'est une catastrophe. Je mets 3 heures à faire charger mes vidéos sur YouTube à chaque fois, c'est une horreur, alors qu'à Londres ça me prend 2 minutes grand maximum. Donc voilà, ça change encore, c'est très long, c'est très chiant. Bon, je vous reprends quand ça aura chargé et je vous montre. Donc voilà, du coup la première vidéo c'est cardio plus abdos. Elle dure 11 minutes et du coup je vais m'y mettre et je vous montre tout ça. C'est parti, j'ai mon petit tapis de yoga, la vidéo juste ici. Donc je vais commencer et je vous montre. Je viens de terminer la première vidéo de la série, donc maintenant je vais aller sur la deuxième. Je viens de terminer la dernière vidéo de la session de ce soir. Je vais m'étirer et vous reprendre après parce que là je suis trop essoufflée pour parler.
Et voilà pour ma séance de sport d'aujourd'hui. Donc je viens de finir les étirements. Je prends toujours bien 10 minutes pour faire des étirements à la fin de chaque séance parce que ça fait énormément de bien. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, c'était cardio. Le cardio, ça tue à bloc parce que ça fait énormément transpirer. C'est bien parce que c'est ça qui fait perdre du poids. Mais c'est très 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 intense et à chaque fois j'en peux plus. Du coup, ben, vous pouvez le voir à ma tête, je transpire énormément. Donc là, je vous ai pas montré la séance entière parce que sinon 45 minutes de vidéo, ça ferait beaucoup trop long. Je vous ai juste montré quelques petits morceaux de chacune des vidéos. Mais vous avez été assez nombreux à me dire que ça vous plairait de voir une vidéo sport. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit que je fasse vraiment une vidéo dédiée à ça, où je vous montre une séance de sport entière tout simplement. Du coup, moi maintenant, je vais aller me doucher tout de suite. J'en ai bien besoin. Et ensuite, je vous reprends après ma douche. Bon, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour vous montrer ma routine soin, même si elle n'est pas compliquée du tout en ce moment parce que je me maquille quasiment pas. Par contre, la luminosité ici est affreuse parce que j'ai les trucs là, les lumières qui sont très jaunes. Donc je sais pas comment ça va rendre, mais là, de ce que je vois pour le moment, c'est très moche. Mais bon, on va faire avec. Donc la première chose que j'utilise pour me démaquiller tout d'abord, c'est mon eau micellaire Caudalie que j'aime beaucoup. Elle est super bien et sur Yuka, elle est notée excellente. J'utilise l'application Yuka maintenant, je sais pas si vous connaissez. Ça permet de tester les produits, la nourriture, etc. pour voir s'ils ont une bonne note. Ça vous permet de savoir comment sont vos produits, ce que vous vous mettez sur la peau, etc. Et avec ça, j'utilise comme d'habitude mes petits cotons réutilisables pour me démaquiller. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de produits à base d'ingrédients naturels que vous utilisez, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux, parce que je recherche de plus en plus de produits naturels à utiliser. La caméra va couper, j'ai plus de batterie. Je vous reprendrai après si ça coupe. Mais je disais, j'utilise de plus en plus de produits à base d'ingrédients naturels parce que je trouve que c'est beaucoup mieux pour la peau. Juste avant que ça coupe, aussi ce que j'utilise avant la douche, c'est mon gel moussant purifiant de la marque La Roche-Posay avec ma petite brosse Foreo. Donc je mouille, je nettoie, je fais mousser sur mon visage. Donc après ça, je vais me doucher. Ensuite, je vous montrerai après la douche ce que je mets comme crème. Donc là, la crème que je mets en ce moment, c'est celle que j'ai eue dans My Little Box, donc de la marque My Little Beauty. C'est leur marque à eux. Je la trouve assez bien. En plus, elle sent super bon. C'est une crème de soir, enfin de nuit. Voilà, ensuite je mets toujours mon baume à lèvres de la marque EOS. Et ensuite, quand j'ai des boutons, ce qui est le cas aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je mets mon huile essentielle d'arbre à thé de la marque The Body Shop. Donc vraiment localisé sur les endroits où j'ai des boutons, ça permet de les assécher et ça fonctionne super bien. Ça fait des années que j'utilise ça et du coup ben voilà. Alors là, je vais pas tarder à aller manger parce qu'il est presque 20h. Donc pendant ce temps, je vais en profiter pour faire charger la caméra et je vous retrouve après ça. Alors j'ai fini de manger, je me suis lavé les dents et là je viens de m'abonner à Disney+. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais il y a Disney qui vient de sortir sa plateforme de séries et de films en streaming. Donc c'est exactement le même principe que Netflix, sauf que c'est fait par Disney. Donc il y a tous les dessins animés, les séries Disney. Il y a 5 univers, donc Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Je suis super contente, ça fait un moment que j'attendais ça parce que depuis qu'ils l'ont annoncé, il s'est passé un an et demi il me semble, et Disney c'est vraiment toute ma vie, toute mon enfance. J'ai toujours été une super grande fan de l'univers Disney et du coup je suis trop contente de pouvoir regarder les films et les séries de mon enfance, surtout les trucs qu'on voyait sur Disney Channel, donc c'est à dire Hannah Montana, les sorciers de Waverly Place, enfin la base quoi. J'ai trop hâte de pouvoir regarder tout ça. Je sais pas encore par quoi je vais commencer, j'ai envie de tout regarder et du coup ben, je vais finir ma soirée comme ça. Du coup je vais terminer ce vlog ici, j'espère que ça vous aura plu encore une fois de passer une journée avec moi en confinement. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je fasse ce genre de vidéo assez régulièrement. Donc là, comme vous savez, c'est la deuxième, mais si vous voulez que j'en fasse d'autres, si ça vous intéresse de voir ce que je fais, enfin je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Du coup ben, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, faites très attention et je vous retrouve mercredi à 13h pour une nouvelle vidéo.